Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Un stylo à la main. Le but de cette chaîne est de vous partager ma collection de stylos plumes tout en vous informant sur les nombreux modèles que l'on peut trouver sur le marché. Au fil des vidéos, je vais vous présenter toutes mes nouvelles acquisitions et vous donner mes retours sur ces stylos. Cela vous permettra, je l'espère, d'obtenir toutes les informations nécessaires lorsque ce sera à vous de choisir le prochain stylo qui rejoindra votre collection. Sur ce, je vous présente le Twisby Echo Smoke Rose Gold. Donc nous voilà pour le déballage de ce Twisby Echo Smoke Rose Gold dans une boîte toujours très classe de la part de Twisby et une boîte de plastique vraiment très pratique qui va pouvoir vous permettre de stocker des trucs. Moi j'y stocke mes cartouches, mes accessoires, un peu de tout. C'est ma deuxième boîte de Echo donc je vais pouvoir stocker encore plus de cartouches. Magnifique. On ouvre ça, à l'intérieur on a donc cette présentation de carton qui nous permet d'avoir quelques instructions sur comment se servir de ce stylo, parce que c'est un stylo assez particulier. On va retirer ça comme ça pour vous montrer un peu mieux l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc on va avoir donc une espèce d'instruction de comment remplir et comment même laver notre stylo Twisby, bien pratique. Et nous voici avec la bait, donc il nous montre encore une fois comment le démonter, comment l'ancrer. Super, hop. Alors avec ça on a, comme vous le voyez, une petite bouteille de lubrifiant, oui, pour le graisser de temps en temps, hein, forcément. Les tournevis, ça se graisse. Et donc notre petit outil pour pouvoir démonter bien comme il faut notre Twisby. Et voici le Twisby Echo Smoke Rose Gold. Protégé, voilà, le clip est protégé ici avec ça. Voilà, super. Superbe stylo. Très 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 joli. Je vais donc pouvoir vous le présenter plus en détail dans quelques secondes. Et donc après ce déballage, je vais vous présenter plus en détail le Twisby Echo Smoke Rose Gold. Alors pourquoi smoke? Déjà parce que, comme vous le voyez, la fumée c'est noir et ce stylo là est en grande partie noir. La seule différence avec le Twisby Echo noir, c'est que le bouchon de ce stylo-là est transparent. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Je pense que vous arrivez à voir la plume à l'intérieur. Donc voilà, c'est un noir transparent, donc smoke, fumé. Et rose gold, parce que tout ce qui est là, sur le clip, sur le logo, que vous pouvez voir ici, vous pouvez voir que c'est fabriqué en Taïwan. Et ce cercle-là, ainsi que la plume, tout ça c'est de l'or rose. Alors fondez pas tout de suite votre Twisby pour récupérer tout cet or, c'est surtout un alliage avec un petit peu d'or et pas mal de cuivre en fait. Ce qui fait que c'est un Twisby qui est quand même plus cher que la plupart des autres Twisby Echo. Par exemple j'ai ici le Twisby Echo, voilà, on parlait du noir. Le noir, celui-ci pas transparent du tout. Comme vous le voyez, c'est plus un métal, un aluminium. Je sais pas c'est quoi quel métal c'est, mais ça doit être de l'aluminium. Et comme vous voyez, il n'y a même pas de cercle ici. On est face à un modèle bien moins cher parce que tout cet or, tout cet alliage d'or et de cuivre n'est pas présent, même au niveau de la plume. Voilà. Donc pour faire des petites comparaisons peut-être avec d'autres stylos, si vous avez par exemple un Pilote Métropolitain, vous voyez que la taille est différente. Si vous avez un Lamy Safari, voilà au niveau de la taille la différence. Et si vous avez peut-être un Platinum Plaisir, la différence est un petit peu notable, mais pas tant que ça. L'attrait du Twisby Echo, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle-là, c'est un modèle d'entrée de gamme, comme le veut le mot Echo.
Un modèle d'entrée de gamme, ça vaut environ, je dirais, 50 $ canadiens, peut-être un peu moins pour les versions de base, qui valent plus 31 $ canadiens. Mais cette version-là, c'est 50 $. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a de l'or, j'imagine. À mon avis, c'est plus parce que c'est plus joli, puis c'est une édition un petit peu spéciale. Donc les prix ont été rehaussés. Donc on est face à un Twisby Echo qui n'est pas forcément très économique, mais qui est très 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 joli. Il y a un autre modèle en or rose qui est lui blanc. Pas blanc transparent, juste blanc. Donc tout ce qui est, vous voyez, qui est noir ici est blanc, et tout ce qui est d'or rose reste en or rose. Donc si vous préférez le blanc, je vous conseille ce modèle là qui est au même prix, hein, 50 $ US aussi. Donc l'intérêt du Twisby Echo, en plus de son prix qui d'habitude est pas très cher, c'est déjà que c'est un démonstrateur. Un démonstrateur, c'est-à-dire que vous voyez toute l'encre à l'intérieur, vraiment. Donc c'est assez joli. Là c'est une encre un petit peu bleutée, hein, le Royal Blue de chez Pelican, mais s'il y a des encres un peu plus funky que vous pouvez vous procurer, c'est quand même assez drôle de voir l'encre. Une encre, je sais pas moi, verte se promener là-dedans. L'autre intérêt du Twisby Echo, si vous ne savez pas, c'est qu'il ne se remplit pas avec une cartouche, il ne se remplit pas avec un converteur, mais il se remplit tout simplement avec un piston. Donc vous tournez cette petite partie-là, et ça va venir aspirer l'encre, et donc ensuite remplir votre stylo. Donc vous prenez votre stylo, vous prenez votre bouteille d'encre et vous êtes prêt à écrire. Pas besoin de cartouche, pas besoin de converteur, tout est déjà là pour vous. Donc c'est quand même assez aussi économique puisqu'il n'y a pas de, converteur à acheter, il n'y a pas de cartouche à acheter. Donc c'est quand même quelque chose à envisager. Le Twisby Echo vient dans plein de couleurs différentes, pas juste cette édition spéciale là. Et vous pouvez donc collectionner le plus que vous voulez. Il y a des éditions spéciales du Twisby Echo chaque année. Donc soyez prêts, je pense, si vous aimez ce modèle-là, à en acheter beaucoup pour votre collection. Parce que toutes les couleurs sont le fun. C'est vraiment un stylo qui est très très le fun. Il vient en plusieurs tailles de plumes, de l'extra fin au large, en passant par le médium et le fin. Et surtout une plume que j'aime beaucoup. C'était d'ailleurs la plume de mon premier Twisby Echo, une plume en stub 1.1 mm qui vous permet de faire des variations de lignes. Donc selon comment vous écrivez, si c'est comme ça, votre ligne sera plus ou moins fine, et donc ça vous permet vraiment de faire des variations et un petit peu de, presque de la calligraphie, j'irai pas jusque là, mais presque de la calligraphie avec votre stylo plume. Donc si vous voulez avoir du fun avec votre Twisby Echo, c'est possible. Et d'ailleurs, on va aller avoir du fun tout de suite en écrivant sur du papier. Et me revoilà avec mon fidèle carnet de notes Rodia. Je le redis encore, je le répète, Rodia, meilleur papier pour le stylo plume. Peut-être du Clairefontaine, peut-être vous avez entendu parler de l'Ortrum. Pardon pour les Allemands qui m'écoutent. Mais voilà, ce papier-là, c'est vraiment le meilleur papier pour les stylos plumes. Et me revoilà avec le Twisby Echo Smoke Rose Gold, avec une plume fine, je sais pas si je vous l'ai dit, mais plume fine. J'aime vraiment beaucoup cette plume-là. C'est très pratique, je peux écrire sur la plupart des papiers, hein, même les papiers de basse qualité, sans que ce soit vraiment impactant. Même si je préfère écrire forcément sur le Rodia. Vous me connaissez peut-être maintenant très bien si vous avez vu mes autres vidéos, mais d'habitude j'aime pas poser mon stylo, mon bouchon sur le stylo. Je préfère le poser à côté, voilà, le hop, et écrire. Sauf que là, je sais pas pourquoi, mais le Twisby Echo, j'aime vraiment ça, poser mon bouchon. J'ai l'impression que le poids est mieux réparti, je sais pas, c'est moi, hein, c'est moi. Peut-être que vous, ça va être différent. Bref, on en est donc avec le Twisby Echo Smoke Rose Gold.
une plume fine et l'encre. Ah, je vous ai pas dit l'encre d'ailleurs. Le voici. Alors vous arrivez peut-être pas à lire parce que Pélican, ils sont un petit peu funky avec leurs étiquettes. Mais donc c'est un Pélican Royal Blue. Bleu Royal de chez Pélican. C'est vraiment mon bleu préféré. Pour vrai là. Et encore une fois, c'est vraiment pas cher. La qualité-prix est vraiment, vraiment appréciable. Et les bouteilles, j'aime beaucoup les bouteilles de Pélican. Enfin, en tout cas celle-ci. Donc voilà, Royal Bleu. Bleu Royal. Vraiment très joli. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce stylo-là? On peut montrer que, comme vous voyez, c'est pas un stylo qui est très mouillé, forcément. Hein. Et on peut aussi vous montrer une écriture inversée qui est... Ah, j'aime vraiment pas écrire en inversé. Je sais pas pourquoi les gens font ça, mais si vous voulez écrire vraiment avec une plume extra fine, c'est possible. Il y a vraiment pas tant de différence, encore une fois, entre l'horizontal et le vertical. On peut vraiment appuyer, mais pas tant que ça. Et si je veux, bah tiens, je vais en profiter, j'ai un Twisby Echo ici, j'ai un autre ici qui lui a, je vais vous montrer l'encre. Si j'arrive à la pogner, c'est du rouge Bourgogne de ces monsieur Herbin. Et ça va être écrit avec du stub. Donc pour vous montrer la différence entre une plume stub de ces Twisby, tout de suite vous voyez la différence, je pense. Celui-là, c'est, bon, c'est le noir, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est une plume stub. J'ai un doute sur le nombre de B qui a stub. Non, il n'y en a qu'un seul. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est du 1.1 mm. Et l'encre, c'est un rouge Bourgogne de ces Herbin. Voilà, donc vous voyez quand même une légère différence. Donc libre à vous d'investir dans un Twisby Echo et d'investir dans la plume qui vous plaît, la taille de plume qui vous plaît, que ce soit du fin, du médium, du large, de l'extra fin et même du stub 1.1 mm. Bien entendu, le rose gold, smoke ou blanc, c'est vraiment très joli. Mais bon, hein, si vous voulez investir un peu moins, c'est vraiment un peu moins, mais genre quand même une vingtaine de dollars en moins quand même, vous avez les versions un peu plus basiques des Twisby Echo. Voilà, et bien donc, je reprends mon rose gold. Et je n'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir tenu sur mon écriture un petit peu laide. Et surtout, merci d'avoir regardé. Et peut-être abonnez-vous.